tous. Juste un petit mot en introduction pour vous présenter Benoît Goetz, qui est philosophe. Ce n'est pas souvent qu'on accueille un philosophe dans cette école. Benoît Goetz est professeur de philosophie à l'Université de Lorraine, département de Metz, c'est comme ça qu'on dit ? Site de Metz. Site de Metz. Donc il enseigne à Metz. Situation, site. Oui. Voilà. Il est rédacteur de la revue de philosophie et de sciences humaines Le Portique. Et il est également membre du laboratoire Lorrain de sciences sociales et du réseau international Philo. Il est l'auteur d'un certain nombre d'ouvrages dont vous avez, j'espère, ou du moins entendu parler, si ce n'est lu, un certain nombre d'ouvrages qu'on vous recommande ici dans cette école, notamment La dislocation, architecture et philosophie, qui a été publié aux éditions Verdier en 2001, et puis un autre livre, je ne parlerai pas des ouvrages collectifs, un autre livre dont parle souvent Isabelle Birot, qui est Théorie des maisons, l'habitation, la surprise, paru en 2011 aux éditions Verdier. Alors on remercie beaucoup Benoît que j'ai pas revu, alors toi tu dis depuis plus de 20 ans. On vient de calculer 22 ans. 22 ans. 30 ans mais... Bon, alors 22 ans. Mais lui n'a pas changé du tout. Je vais en parler un peu de ça. D'accord. Transformation, changement, décrépitude. Bon. Enfin, en tout cas, c'est une conférence, je tiens à le souligner, qui a été faite sur mesure pour le sujet, le thème de la transformation. Oui, bien sûr. Merci Benoît. Merci Paul. Donc, merci pour votre accueil. Je remercie l'École d'architecture de Marne-la-Vallée, et particulièrement les transformistes, et particulièrement Paul Landauer, mon ami. Les transformistes, nous sommes tous transformistes. Est-ce qu'il y aurait parmi vous un fixiste? Il paraît qu'il y en a quelques-uns en Amérique. Toujours est-il que cela nous met sur le registre de la vie. Et je parlerai un peu de ça, des rapports entre la vie et l'architecture. Si je dis transformiste, transformisme, si je dis fixiste ou fixisme, ça renvoie bien sûr à la théorie de l'évolution. Et nous sommes tous transformistes, mais il paraît qu'en Amérique, il y a quelques fixistes. Bon. Je reviendrai un peu là-dessus, sur la question des rapports entre la vie et l'architecture. Ça sera un peu des leitmotifs de mon propos. Donc mon propos est une divagation. Puisque je parle de la destruction, je ne vais pas vous proposer un propos très construit avec grand 1, grand 2, grand 3, et puis conclusion, la thèse. Et il n'y a pas, il y a peut-être quelques parties, mais il n'y a pas de thèse pour finir. C'est une divagation, c'est un mot sur lequel je reviendrai, divagation. Une divagation autour de quelques citations, je vais commenter 2-3 citations, et une divagation autour de quelques concepts de philosophie contemporaine. Pour vous situer un peu mon travail depuis quelques années, ça fait très longtemps que je travaille avec les écoles d'architecture, si vous voulez, à Nancy, ailleurs, à la Villette. Je crois que je suis même venu ici une fois. Donc j'ai changé beaucoup, mon propos s'est beaucoup transformé. Que faire lorsqu'on est philosophe avec des architectes ou des étudiants en architecture? Il y a beaucoup de solutions. Il s'est créé une sorte de réseau philosophie-architecture qui est très varié, qui est très riche. Donc ces dernières années, ce que je me suis proposé de faire, c'est de proposer aux étudiants des écoles d'architecture, aux architectes, aux étudiants des écoles d'architecture, un certain nombre de textes et de concepts qui pourraient peut-être leur échapper. Parce qu'ils n'ont pas le temps, ils font du projet. Ils font du projet et puis donc, d'une part, ils n'ont pas trop le temps de lire de la philosophie contemporaine et d'autre part, ça peut paraître extrêmement rébarbatif et pénible et incompréhensible. Donc je me suis un peu vu comme un médiateur. Je pourrais leur dire, lisez donc un peu ça, regardez ce concept, ça pourrait vous intéresser. Et ça pourrait entrer en résonance, comme dirait Deleuze, avec votre pratique d'architecte. Donc ça serait à ça que je pourrais servir. Parce que si vous allez seulement voir chez les philosophes ce qu'ils disent sur l'architecture, c'est souvent très mince, il n'y a pas grand-chose. Mais mon pari théorique, si vous voulez, c'est que partout dans les textes de philosophie contemporaine, mais aussi dans la tradition, bien sûr. Mais ça a été davantage travaillé. Mais partout dans la philosophie contemporaine, vous trouvez des choses, des textes, des concepts qui peuvent entrer en résonance avec votre travail de projet, disons. De projet. Donc c'est ce que je vais essayer de faire aujourd'hui. Divaguer autour de quelques citations que je vais essayer de commenter et autour de quelques concepts que je vais essayer de vous présenter. Le concept, tout à l'heure on verra pour finir, de struction chez Jean-Luc Nancy. Qu'est-ce que c'est qu'une struction ?
Est-ce que ça va apprendre quand on crée un concept? Vous savez, Deleuze dit la philosophie, c'est créer des concepts. C'est devenu une phrase à la mode. Mais quand on crée un concept, on n'est pas sûr qu'il va apprendre. Donc là, je vais un peu me mettre au service de Jean-Luc Nancy pour vous présenter un concept que vous ne connaissez pas, le concept de struction, pour vous donner envie d'un peu d'aller y voir. J'évoquerai en résonance avec le concept de struction, le concept d'écume ou de bulle. Ça, c'est plus connu, qui se trouve chez Peter Sloterdijk. Ça, c'est plus connu. Et puis, peut-être que même que je vais avoir la prétention extrême pour cette dernière conférence, je veux dire, de mon existence. Étant donné l'affiche, je me suis dit, tiens, c'est ma dernière conférence. Mais je vais venir à l'affiche dans 2 minutes. Un concept peut-être que j'aurais créé. J'ai créé un concept, le concept d'épar. Épar. Vous ne mettez pas de H. Hein. C'est pas la bouteille d'eau minérale, c'est E-P-A-R-S. Voilà. Donc, en fait, le vrai titre de ma conférence, entre guillemets, rapide, c'est destruction de la destruction. Destruction de la destruction, parce que, bien entendu, je ne suis pas pour la destruction. Je ne suis ni nihiliste ni anarchiste, on va y venir dans quelques minutes. Et là, j'évoque lointainement un titre de la philosophie arabe. Il y a un philosophe arabe du Moyen-Âge qui s'appelle Ghazali, ou El Ghazali, un grand philosophe, un grand penseur, soufi, à la mode les soufis, qui a écrit un livre qui s'appelle, donc pardonnez mon arabe si je puis dire, Ta'afut al-Falasifa. Ta'afut al-Falasifa. Destruction des philosophes. Et puis, peu de temps après, un siècle après, après Ghazali, il y a un autre grand philosophe arabe que vous connaissez, parce qu'il y a eu un film de Shaheen, je crois, qui s'appelle Averroès, ou en arabe Ibn Rushd, qui a écrit un livre, alors c'est pour ça que ça m'a soufflé le mien, Destruction de la destruction. Ta'afut al-Talafut. Voilà. Ta'afut al-Ta'afut. Voilà. Destruction de la destruction. C'est-à-dire que quand on est détruit, quand on cherche à vous détruire, eh bien on cherche à détruire ceux qui vous détruisent. Mais tout ça peut se faire très poliment, hein, avec des livres, hein, c'est pas la guerre armée. Donc Ghazali, qui est un très grand penseur, dit que les philosophes sont incohérents, parce que ta'afut peut se traduire aussi par incohérence. C'est intéressant pour notre propos, ça. Les philosophes, il faut les détruire parce qu'ils sont incohérents. Alors donc, on peut traduire aussi le livre d'Averroès, Ibn Rushd, par incohérence de l'incohérence, ou incohérence des incohérents. Donc, mon propos, celui-ci, c'est que faire aujourd'hui, ou c'est pour ça que j'ai choisi ce titre, où nous vivons bien évidemment, et c'est peut-être pas la première fois dans l'histoire de l'humanité, une période de destruction qu'on ne peut d'ailleurs pas dire sans précédent, une période de destruction assez évidente et massive de tout. Alors c'est ça qu'on pourrait aussi évoquer comme problème, si vous voulez. De quoi parlons-nous lorsqu'on parle de destruction? Qu'est-ce qui est détruit? Donc là, heureusement, peut-être qu'aujourd'hui, il ne s'agit pas de destruction de peuple ou de race ou de génocide. Il est très évident qu'aujourd'hui, nous assistons à une destruction de sociétés très nombreuses dans le monde. Et puis donc, la première question que je voudrais poser, c'est pourquoi, lorsque nous parlons de destruction, nous avons constamment à l'esprit l'architecture ou la ville. C'est-à-dire que l'architecture et la ville, comme je l'ai dit dans mes 10 lignes de présentation de la conférence, fournissent un schème de ce que nous pensons comme étant la destruction, qui peut concerner, donc, comme je l'ai dit, les sociétés, les individus, les peuples, toutes sortes de choses, tout. En fait, la destruction peut finalement détruire tout. Mais lorsque nous prononçons le mot destruction, nous avons à l'idée ce que Kant appelle un schème. Nous avons un schème de l'imagination et nous voyons des villes détruites. Nous voyons toutes ces villes détruites que nous avons en photographie depuis le début du siècle dernier. Alors ma réponse, ça serait parce que... pourquoi? Donc la question, c'est pourquoi est-ce que c'est l'architecture qui nous vient à l'esprit? C'est parce que l'architecture résiste à la destruction. L'art est ce qui résiste en général à la destruction. Il ne s'agit pas seulement de ce que Vitruve appelle la solidité, firmitas. L'architecture est bien sûr solide, mais elle a une solidité qui ne tient pas seulement à celle de ses matériaux. L'architecture est ce qui résiste à la destruction. Et c'est pourquoi, lorsque nous parlons de destruction, nous vient à l'esprit de ce qui est parvenu, malgré tout, malgré la solidité de l'architecture,
à détruire quelque chose. J'ai récemment essayé de voir, parce que un film de Lars von Trier qui s'appelle Mélancolia, parce que un philosophe dont je vais vous parler considère que ce film est un très grand film. Moi, c'est pas trop ma tasse de thé. Mais la dernière séquence du film Mélancolia montre très bien ce que je cherche à dire. C'est que dans la dernière séquence, nous assistons à une destruction qu'on pourrait dire absolue. Absolue, c'est-à-dire que tout va être détruit sans raison. Il y a pas, là, pour le coup, il n'y a pas d'ennemis, il n'y a pas de... Il n'y a pas de méchant, c'est un phénomène naturel. Donc, il y a cette énorme planète Mélancolia qui va dévaster la Terre entière, donc il n'y aura plus rien. Et qu'est-ce qui résiste? C'est une petite cabane. Voilà. Donc ce n'est pas une question de solidité, parce que bien évidemment la cabane ne va pas résister. Simplement il y a une mère, peut-être, je ne sais pas, une femme en tout cas, qui dit à l'enfant, « Papa a oublié que la cabane magique pourra peut-être nous protéger. » Parce que papa avait dit... rien ne sera capable de nous protéger. Mais si finalement le petit enfant, en tout cas, va mourir dans l'ignorance de sa mort, et donc la cabane magique va lui permettre de mourir sans crainte et tremblement, et donc on pourrait dire que la cabane contre la destruction absolue est une figure sublime de ce que j'entends par la résistance de l'architecture à la destruction. Donc la réponse à la question, c'est que le schème de la destruction nous vient à l'esprit à propos de l'architecture, parce que l'architecture, c'est ce qui résiste le plus, mais aussi, bien sûr, pour des raisons de solidité matérielle, au passage du temps, qui n'est pas totalement synchrone avec le passage du temps chez les vivants, chez les êtres vivants, chez les hommes. Et l'architecture est plus solide que nous. La forme d'une ville, c'est la première citation que je voudrais vous proposer, que vous connaissez, c'est dans Le Cygne de Baudelaire. La forme d'une ville, hélas, change plus vite que le cœur d'un mortel, si vous voulez. Voilà. Donc l'architecture a une solidité qui... Bon, etc. J'en viens maintenant à l'affiche et à la photographie et à Paul Landauer. Si on pense les différentes formes de destruction, comment les classer... Donc j'ai expliqué pourquoi j'ai choisi ce thème, parce que nous vivons dans un monde de destruction et nous attendons un autre monde, la renaissance d'un autre monde qu'on peut espérer, et on peut espérer y travailler, si vous voulez, surtout vous les architectes. Oui, peut-on classer différentes sortes de, et de quelle manière différentes sortes de destruction? Alors il y a une classification qui se présente à nous de manière évidente, c'est pas moi qui l'invente, c'est des destructions imperceptibles, des destructions spectaculaires. Celle que je viens évoquer à la fin de Mélancolia, c'est on ne peut plus spectaculaire. C'est la fin de monde, c'est la fin de tous les mondes. C'est pas... Mais il y a aussi des formes de destruction beaucoup plus imperceptibles. Je crois que c'est chez les Chinois qu'on parle de destruction ou de transformation imperceptible. Le Yi Qing, le livre des transformations. Alors donc, la transformation qui nous touche de très près, c'est celle... qui nous affecte le plus, comme dit Nietzsche, nous ne connaissons pas d'autre expérience que la vie. Et il se trouve qu'il nous arrive de vieillir, de décliner, de nous faire vieux, si vous voulez. Et c'est l'expérience que j'ai eue en voyant l'affiche. L'affiche. Quand Paul m'a demandé une photo, parce que moi, quand je fais des conférences, d'habitude, on ne me demande pas de photo. Je savais qu'elle allait être massive, comme ça, grande. Je me suis dit, bon, qu'est-ce que je vais faire, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Alors, à un moment donné, je trouve une belle photo de moi, mais bon, c'était il y a 20 ans. Alors, vous auriez vu la photo de moi il y a 20 ans, et puis moi, vous auriez dit, mais quel connard, celui-là. Donc, j'ai joué le jeu inverse, je me suis montré tel que j'étais, en très mauvais état. C'est-à-dire que c'était il y a 2 mois, je venais de me casser l'épaule, et j'étais assez décomposé, assez déconstruit, assez détruit, si vous voulez. Puis j'ai assumé cela, si vous voulez. Je me suis dit, bon, je suis ce que je suis, comme dit Popeye, voilà, bon, ouais. Et j'ai pensé à cela, donc transformation imperceptible, transformation spectaculaire. Le vieillissement est une transformation imperceptible. C'est qu'on ne se voit pas vieillir. À quelle occasion se voit-on vieillir? Ben, lorsqu'on ne pratique pas trop la photographie, par exemple, quand on voit une image massive de soi, avec des espèces de trucs qui pendent, comme ça, des boutons, des pendes. Et aussi une autre occasion, c'est quand on rencontre un ami qu'on n'a pas vu depuis 20 ans. Mais là...
Paul m'a fait plaisir tout à l'heure au restaurant Le Descartes. Il m'a dit, tu n'as pas changé d'un poil. Mais ça, c'est une gentillesse. Ce qu'il pensait, bien sûr, c'est qu'est-ce qu'il a pris. Il a pris un coup de vieux épouvantable. C'est pas son cas, d'ailleurs. Mais il est plus jeune que moi. Et donc, l'autre occasion où la transformation imperceptible fait choc, c'est lorsqu'on rencontre quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis très, très longtemps et qui ressurgit, puis on se dit, tiens, je dois être comme lui. Moi aussi, je dois avoir pris un coup de vieux comme ça. Mais ce n'est pas le cas de Paul. Okay. Alors maintenant, il est temps de revenir un peu à l'architecture. J'ai connu Paul Landauer dans un lieu qui a été détruit. Voilà, voilà. Je rejoins le thème de ma conférence. Il s'agit de l'école d'architecture de Nancy, mais qui, à l'époque, était à Villers-les-Nancy. Ce n'est pas celle que vous pouvez voir aujourd'hui. C'est une école d'architecture qui était provisoire. C'est une école qui avait été construite, je pense, dans les années 70, avec des matériaux que Jean Prouvé avait conçus. Et je cherche le nom de l'autre architecte que je vais trouver tout de suite dans mon désordre. Foliasson, un truc comme ça. Foliasson, voilà. Donc voilà, c'était des bâtiments en fer. Souvent, c'est plus facile de détruire les bâtiments en fer que les bâtiments en béton. C'était des bâtiments en fer, donc ça a duré 20 ans, je pense, au moins. Ben oui, puisque Paul me disait qu'il avait passé son diplôme en 92. Ça a été construit en 70, donc c'est du provisoire qui dure. Ça fait partie un peu de votre problématique, ça, des transformations. On construit quelque chose pour que ça ne dure pas. C'est léger. Ça ne fait pas de peine quand c'est détruit, puisque c'était pas fait pour durer. Et puis ça peut avoir une sorte de charme, si vous voulez. La nouvelle école, donc c'est une métamorphose, cette fois-ci, l'école d'architecture s'est déplacée dans l'espace, une transformation, une translation, comme dirait Aristote, de Villers à Nancy-Canal. Et là, au contraire, on voit que c'est construit pour durer. C'est l'architecte Vacchini qui a fait ça, qui est très sympathique, paraît-il. Et il a fait une sorte de mastaba de béton lourdingue, on dirait un parking. À mon sens, c'est atroce, mais les usagers, les profs, les étudiants aiment bien ça. Donc, ce n'est pas à moi de juger. Donc là, je voudrais juste comparer ce que c'est qu'un bâtiment fait pour être détruit, même si ça dure 20 ans, et un bâtiment qui est quasiment fait pour être éternel, parce que tout ce qui est un peu égyptien est fait pour survivre éternellement. Et qu'est-ce qui est le plus agréable? Qu'est-ce qui est le... je ne sais pas. Alors... j'en viens maintenant à deux, trois points, deux, trois citations. Je vous ai dit, c'est une divagation. C'est une divagation. Et donc, je voudrais commenter une phrase de Jean-Luc Nancy. Voilà, de Jean-Luc Nancy, qui est un philosophe de Strasbourg. Vous savez que maintenant, l'Alsace et la Lorraine sont mariés. Il s'appelle Nancy, il habite à Strasbourg. En fait, fort peu écrit sur l'architecture, donc je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Il ne faut pas aller chercher seulement ce que les philosophes disent sur l'architecture. Donc, si vous lisez Heidegger, quelqu'un dont je parlerai peut-être un peu si on a le temps, il a écrit « Bâtir, habiter, penser ». Donc les architectes lisent « Bâtir, habiter, penser ». Très bien. Ou alors « L'origine de l'œuvre d'art » avec le texte sur le temple, tout ça. Mais en fait, non, allez dans « Sein und Zeit », l'œuvre majeure, « Être et temps », et vous trouverez plein de choses sur la maison, sur la table, sur l'outil, sur l'orientation, sur le foyer. Bon. Donc ça, c'est un conseil que je donne toujours aux étudiants des écoles d'architecture, c'est d'aller voir ailleurs. Donc je vais vous lire une citation de Jean-Luc Nancy que je voudrais commenter en divagant, si vous voulez. C'est une interview, un entretien que vous trouvez sur Internet, qui a été donné au journal L'Humanité, le 28 août 13, donc l'année dernière. Et donc, il venait de sortir un livre avec un astrophysicien qui s'appelle Barrio, je crois, ou Barrio, voilà. C'est un livre donc collectif donc entre Jean-Luc Nancy et un astrophysicien. Hein, on parlait de Mélancolia, mais donc on est toujours un peu dans le cosmos, si vous voulez. Et ce livre s'appelle « Dans quel monde, au pluriel, vivons-nous ?» Et donc... l'astrophysicien parle des multivers, enfin, tout ce délire.
des astrophysiciens, puisqu'on est tous transformistes au point où on pense même que l'univers se transforme, qu'il y a plein d'univers qui se... Donc c'est un délire intéressant. Et Jean-Luc Nancy s'accroche un peu à ce discours. Et... Alors, c'est, donc c'est intéressant, parce que donc, vous avez l'architecture, on n'en parle plus trop là maintenant, mais vous avez le cosmos, l'univers, et puis vous avez aussi la philosophie. Comment tout ça peut s'arranger de manière ou d'une autre. Donc à mon avis, c'est ce qu'on peut entendre dans cette citation de Jean-Luc Nancy, que je vais lire lentement. Donc l'Humanité, 28 août 13. Vous parlez, donc c'est la question du journaliste, vous parlez entre guillemets d'une struction, S-T-R-U-C-C-I-O-N, c'est-à-dire une construction ou une destruction, vous ôtez le préfixe, hein, con ou dé. Vous parlez d'une struction pour une commune pensée. Bon, j'abandonne commune pensée. Jean-Luc Nancy, alors c'est ça que je voudrais commenter. Je veux dire qu'après de longues et puissantes constructions, suivies d'aussi longues et massives destructions, et à travers des déconstructions qui ont ouvert la voie à des désassemblages et des mises en suspens, un temps est venu pour considérer là où les structions, c'est-à-dire, selon le latin, les amas, les tas, les éléments inconstruits, sans archi tecture, ensemble an-archique, ensemble anarchique, mais avec un tiret, c'est important, voire anarchiste, an-archiste, comme la vérité de notre situation. Il nous faut penser là-dedans. Ce n'est pas bâti, ce n'est pas édifié, ni édifiant. C'est anarchique. Qu'est-ce que ça nous dit de nous-mêmes? Donc, comme cette citation est importante, je voudrais peut-être la répéter simplement. Je veux dire qu'après, donc vous voyez un peu une sorte de rythme ou de valse à trois ou quatre temps, comme ça, construction, destruction, déconstruction, struction. Voilà. Hein, je le relis rapidement. Je veux dire qu'après de longues et puissantes constructions, suivies d'aussi longues et massives destructions, et à travers des déconstructions qui ont ouvert la voie à des désassemblages et des mises en suspens, un temps est venu pour considérer là où les structions, c'est-à-dire selon le latin, les amas, les tas, les éléments inconstruits, sans architecture, ensemble anarchique, voire anarchiste, comme la vérité de notre situation. Il nous faut penser là-dedans, ce n'est pas bâti, pas édifié, ni édifiant, c'est anarchique. Qu'est-ce que ça nous dit de nous-mêmes ? Alors, je ne prétends pas commenter cela de manière constructive, justement, je vais un peu divaguer, si vous voulez. Simplement, oui. Ce rythme, si vous voulez, cette succession de. Comment appeler ça, de temps ou d'époque, si vous voulez, ne mène à rien par définition. Hein, c'est-à-dire que. Dans ce schéma, nous n'allons pas quelque part, si vous voulez. C'est-à-dire que la fin, il n'y a pas de fin. Ce n'est pas téléologique, comme on dit en philosophie. C'est-à-dire que si nous sommes dans l'époque des structions ou des bulles et des écumes de l'épars, c'est que justement, nous ne sommes plus nulle part de bien précisé. Et que donc, par conséquent, je pense que c'est là qu'il y a une importance du tiret. Nous ne sommes pas des anarchistes. Les anarchistes étaient des destructeurs, si vous voulez. Et ils pensaient, comme beaucoup de gens l'ont pensé, que... il faut détruire pour construire. Hein, si on fait un peu de dialectique, le schéma classique, c'est quelque chose est construit qui devient vraiment bancal et pourri. Je vais vous lire une citation tout à l'heure, ou peut-être même tout de suite. Et donc, il faut absolument faire éclater ça, dynamiter ça, pour enfin construire quelque chose. Disons que ça, c'est l'anarchisme ou c'est le modernisme. Hein, faire place nette pour aboutir à l'édification d'un monde nouveau, si vous voulez. Oui, j'ai trouvé une citation extraordinaire de Louise Michel. Louise Michel, le 13 mai 1881, s'adresse au groupe révolutionnaire du 18e arrondissement de Paris. Alors écoutez ça, donc ça c'est ce que j'appelle le moment de la destruction, de l'anarchie, si vous voulez. De l'anarchie qui sera en fait partagée par les grands constructeurs, c'est-à-dire les modernes, hein, ceux qui foutent tout par terre. Ils ont souvent bien fait pour édifier du neuf, du splendide, du rayonnant, etc. Alors je trouve cette citation de Louise Michel assez,
assez magnifique, je la lis qu'une fois. Mais donc elle s'adresse à des prolétaires, le 13 mai 1881. Mais regardez donc ce qui se passe en Russie, regardez le grand parti nihiliste. Voyez ces membres qui savent si hardiment et si glorieusement mourir. Que ne faites-vous comme eux? Manque-t-il donc des pioches pour creuser des souterrains, de dynamité pour faire sauter Paris, de pétrole pour tout incendier? Imitez les nihilistes et je serai à votre tête. Alors seulement nous serons dignes de la liberté, nous pourrons la conquérir sur les débris d'une société pourrie qui craque de toutes parts et dont tout bon citoyen doit se débarrasser par le feu et par le fer. Nous établirons le nouveau monde social. Donc je remarque deux choses. Donc là, nous sommes dans la période de la destruction créatrice. Vous remarquez que dans cette pensée anarchiste, à l'ancien sens du terme, pas celui de Jean-Luc Nancy, ce qu'on détruit craque. C'est déjà détruit. Il s'agit de dynamiter ce qui craque de lui-même, si vous voulez. Et donc on peut le faire en toute bonne conscience. Et que d'autre part, on fait ça pour aboutir à la construction d'un nouveau monde, si vous voulez. Bon. Dans les mêmes années, on est à la fin du 19e siècle, là. Dans les mêmes années vient quelqu'un dont je voudrais vous parler un petit peu. Je reviendrai à Jean-Luc Nancy un peu plus tard. C'est le poète Mallarmé. Le poète Mallarmé. Le poète Mallarmé a été accusé, même par des grands critiques littéraires, d'être un anarchiste. Donc il y a une petite anecdote. Le 12 février 1894, donc, oui, vers 9h du soir, une lourde bombe explose au café Terminus de la gare Saint-Lazare. Un jeune homme détale, pris en charge par des gendarmes, il tire à coups de revolver sur ses poursuivants, s'engouffre dans la rue de Rome, où il est intercepté. Trois semaines plus tard, à Oxford et à Cambridge, Mallarmé, domicilié 85 rue de Rome, parle de l'attentat, mais de l'attentat contre la prosodie. Donc trois semaines après l'attentat où l'anarchiste s'enfuit dans la rue où habite Mallarmé, Mallarmé prononce en Angleterre une conférence, la musique et les vers, je crois, où il parle d'attentat. D'attentat, donc là je vais aller un peu plus vite parce que d'attentat non pas contre des gens ou des édifices ou des choses, mais contre le vers, au sens poétique du terme. Bon, peu importe si je ne retrouve pas mes citations. À Oxford et Cambridge, dans cette conférence intitulée « La musique et des lettres », qui est publiée dans un recueil, dont je retombe un peu sur mes pieds, qui s'appelle « Divagation ». Un recueil que vous trouvez partout, sur Internet même, « Divagation ». C'est un terme qu'on trouve aussi chez Nietzsche, « Divagation ». Dans les considérations d'un inactuel, dans le Crépuscule des idoles, Nietzsche parle de divagation d'un inactuel. À l'entrée du livre, Mallarmé dit, je cite de mémoire, que c'est un livre qu'il n'aime pas, c'est de la modestie d'auteur, parce que c'est un livre épars et sans architecture. Voilà. Et donc, dans ce texte, donc, Mallarmé parle d'un attentat contre le vers. Et il dit cette phrase célèbre, « On a touché au vers ». C'est-à-dire que c'est dans ces mêmes années où éclatent des bombes, des hommes de lettres, des poètes, inventent le vers libre. Ils cassent la prosodie classique, les rimes, les pieds. Bon. Et donc, c'est l'époque, là aussi moderne, si vous voulez. Mais là, on n'est plus dans... C'est une destruction absolue, ni totale, ni violente. Nous ne sommes plus dans l'action directe. Voilà. On pourrait dire que la destruction anarchiste, au sens fin du 19e, c'est l'action directe. Comme on ne peut pas changer le monde par les élections, tout simplement, hein, je crois qu'on en a des preuves, on passe à l'action directe. Donc on fait exploser. Donc il y a eu des exemples plus récents en Europe, en Italie, en Allemagne,
de gens qui allaient faire exploser des hommes, des choses, des machines, pour pallier l'impuissance politique qui ne mène à rien. Donc Mallarmé dit il n'y a d'explosion qu'un livre. Donc il se sépare, il récuse cette accusation qu'on lui fait en quelque sorte de soutenir les anarchistes. Et il invente le terme d'action restreinte. Action restreinte, c'est le terme d'un de ses... C'est un titre d'un de ses textes qu'on trouve dans Divagations aussi. Qu'est-ce que c'est qu'une action restreinte ? Mais j'en arriverai peut-être à la fin de mon propos. C'est une struction, c'est une bulle, c'est une écume, ou alors c'est une architecture sans architecture. C'est quelque chose qui tient, qui se tient, c'est un poème, c'est un édifice, mais qui n'est plus dans l'ordre de la construction ni dans l'ordre de la destruction. Voilà donc ce que je voulais dire en m'approchant un peu de la fin de mon propos, si vous voulez. C'est que après la destruction, destruction de la destruction, après la destruction, il faut peut-être se garder de reconstruire. On sait que la reconstruction a été, parmi les tentatives architecturales récentes, les plus catastrophiques et les plus destructrices. Les villes françaises que je connais, moi, mais je suis très vieux, ont été bousillées par les reconstructeurs. Je ne parle pas des grands modernes de Le Corbusier, je parle des salopards d'architectes des années 70 qui ont bousillé le cœur de Metz, qui ont, pour faire des trucs abjects qu'on est en train de bousiller. À l'équivalent à Paris, ce serait peut-être les Halles de Baltard qui sont... Je ne sais pas si c'était conçu pour être provisoire ou définitif, les Halles de Baltard, je ne sais pas, vous me direz. Mais ça, c'est un exemple de ce que j'appelle les saloperies du vandalisme 70. C'est foutre en l'air les Halles de Baltard pour foutre cette connerie qu'on est en train de foutre en l'air qui est au cœur de Paris. Donc, il ne s'agit pas, après la destruction, de reconstruire la destruction qui provient de la guerre, par exemple, de reconstruire n'importe comment. Donc, il s'agirait d'échapper à ce piège qui consisterait à ce que la destruction soit comprise dans la construction. Je crois que c'est ça qui est dans la phrase de Jean-Luc Nancy, c'est que ce qui menace dans toute construction, c'est que ça soit en quelque sorte promis d'une manière ou d'une autre à la destruction. Donc comment peut-être serait-il possible d'échapper à cette fatalité que toute construction aboutisse à une destruction, si vous voulez. Pourquoi est-ce que la construction serait menacée de manière interne par une destruction? Parce que parce qu'on veut s'en prendre à l'archi, au principe, au commandement, à l'ordre. Il y a un texte de Bataille qui est une sorte de haine de l'architecture, qui fait qu'on peut vouloir s'attaquer à l'architecture. Et donc, toute construction aboutit au désir de destruction. C'est pourquoi l'anarchie dont parle Jean-Luc Nancy, à mon avis, n'est pas l'anarchitecture de Gordon Matta-Clark. On peut être dégoûté par l'architecture. Et vous-même qui êtes architecte, vous pouvez être dégoûté par l'architecture. Il y a beaucoup de gens de théâtre qui détestent le théâtre. Vous pouvez très bien être architecte et détester l'architecture, et donc faire une architecture qui ne soit pas susceptible de haine. Gordon Matta-Clark, qu'est-ce qu'il fait? Il troue les édifices, mais peut-être sans les détruire d'ailleurs, sans les détruire. Donc, c'est ça l'idée un peu difficile que je voudrais évoquer pour finir, c'est que struction, donc concept qui va tenir ou ne pas tenir, c'est l'abandon du con, pardonnez-moi, ou du con. Construire, ça signifie que ce que l'on édifie consiste de manière architectonique et donc avec ordre. L'arché en philosophie, c'est le principe, le commandement. C'est ce qui justement peut donner envie qu'on s'en prenne à lui avec violence. L'anarchiste veut détruire quelque chose qui impose en quelque sorte une figure de l'autorité qui ne convient pas, si vous voulez, qui mérite d'être mise à bas. Donc une struction serait une édification peut-être, en tout cas un rassemblement, un tas, un assemblage, bon, une mise en jeu, pour ne pas dire une mise en ordre, qui échapperait au principe de l'art. De l'ordre, de l'autorité, du principe. Si vous voulez. Bon. Donc, comment s'approcher davantage de ce concept qui vient de naître, si vous voulez, qui n'est pas encore bien stable, si vous voulez. Je pensais justement que peut-être on pourrait le mettre en relation avec ce qu'un philosophe peut-être plus
peut-être plus connu que Jean-Luc Nancy, qui est très connu, mais c'est Peter Sloterdijk, l'Allemand, qui parle dans son livre « Écume des bulles », si vous voulez. Et donc là, comme toujours, on ne parle pas seulement d'architecture, on parle de la société, on parle du monde, si vous voulez. Peter Sloterdijk est obsédé par les boules. Il voit des boules partout. Et le monde, effectivement, a longtemps été une boule, le cosmos, une sphère terrestre ou cosmique, si vous voulez. Bon, oui. Et dans son troisième ouvrage, que je vous recommande, parce qu'il est d'ailleurs illustré, c'est rare, un livre de philosophie illustré, où il parle beaucoup, beaucoup d'architecture, il dit que la société, justement, il parle surtout de la société, n'est pas justement une architecture fondée sur un principe, une arché, une autorité, un peu comme chez Rousseau, je crois, qu'elle n'est pas non plus un ensemble d'individus qui contracteraient droit naturel, comme ça, bon, libéralisme, si vous voulez, mais que nous serions un peu faits comme des bulles dans une écume, c'est-à-dire que nous coexistons et que, dès lors que, d'ailleurs, ce n'est pas tellement l'architecture qui fait la bulle, qui fait la bulle de l'écume, dans l'éparpillement de l'écume, c'est la relation. Donc là, on est en train de former une bulle, si vous voulez. Chaque moment de notre vie est fait d'une bulle parce que nous sommes en relation avec quelque chose, si vous voulez. Et cela, bien sûr, est en rapport avec l'architecture qui fabrique des bulles, nos habitations, nos logements, même les fusées, toutes sortes de choses. Il y a tout le temps des bulles, si vous voulez. Alors, le propre d'une écume, c'est que ces bulles ne sont pas organisées de manière architectonique. Il n'y a pas de super bulle, si vous voulez. Il n'y a pas la grande bulle, la grande boule qui était le cosmos ou le monde des anciens. Ça a éclaté. Et en éclatant, ça n'a pas tout foutu en l'air, ça n'a pas tout détruit. Dans ce monde d'écume, si vous voulez, subsistent beaucoup de choses. Puis c'est vivant, ça bouge. Il y a toutes sortes de relations avec la bulle d'à côté, si vous voulez. Bon. Alors je me suis dit, tiens, pourquoi je n'inventerais pas moi aussi un concept? Là, je suis vraiment prétentieux, mais comme c'est ma dernière conférence, je vais m'offrir ce luxe. Donc, dans Divagation, Mallarmé dit, je n'aime pas ce livre, il n'y a pas d'architecture, c'est un livre épars. Alors, je me suis dit, tiens, c'est un beau mot, épars, sans H. Épars avec un H, c'est de l'eau pour le mal de foie. Épars, c'est beau. Alors je vais consulter le dictionnaire, comme le font tous les philosophes pour s'inspirer, ils vont voir le littré. Et je trouve ceci. Épars, donc un épars, terme de mer, M-E-R, il se dit de petits éclairs qui ne sont pas suivis de coups de tonnerre. Très joli ça, des éclairs qui ne sont pas suivis de coups de tonnerre, donc pas de destruction. Mais ça éclate quand même, ça illumine. Comme disait Mallarmé, c'est bien les bombes dans les parlements, mais ce qui est dommage, ça éclaire un instant, mais ce qui est dommage, c'est que ça estropie les badauds. Donc là, ça serait quelque chose qui ne fait pas de mal à personne. Ça a un autre sens qui est beaucoup plus proche de l'architecture. Qu'est-ce qu'un épars? C'est une pièce de bois transversale qui sert à maintenir l'écartement de deux autres pièces plus longues. Dans les charrettes, les chariots, les tombereaux, les brouettes, les épars supportent les planches du fond. Donc l'épars sert à maintenir un écartement, si vous voulez. Ça serait peut-être un peu ça l'instruction, si vous voulez. Il ne s'agirait pas de tout rendre compact, ce qui serait peut-être un peu le défaut de la construction, si vous voulez, de compacifier, un peu comme l'école d'architecture de Vacchini, un monstre de compacité, si vous voulez. Il s'agirait de maintenir des écarts. C'est peut-être plus du tchoumi, tiens, voilà. Maintenir les écarts, de la transparence, des espaces entre, des espaces où l'on peut entrer en relation, de loin, si vous voulez. Oui, alors donc, si je reprends la citation de Jean-Luc Nancy, j'arrête avec l'épars. Si je reprends la citation de Jean-Luc Nancy, vous vous souvenez, il y a construction, destruction, déconstruction, struction. Il y a quelque chose qui vous touche, vous, c'est la déconstruction. Parce que Tchoumi et d'autres, Eisenman, ont fait ce que je vous recommande, c'est de prélever dans la pensée philosophique contemporaine un concept pour, si tant est que s'en soit un, pour pas l'appliquer, mais le faire entrer en résonance avec leur pratique d'architecte. Donc vous savez qu'il y a une école d'architecture
américaine, mais aussi française, que Tchoumi appartient peu ou prou, qu'on appelle le déconstructionnisme. Et donc ça, je n'ai pas le temps d'en parler. Bon, comme je n'ai qu'une heure, là, je peux me permettre de faire une chose que je ne fais jamais, c'est de me référer à un article paru récemment dans un ouvrage collectif qui s'appelle « Derrida et la question de l'art, déconstruction de l'esthétique ». J'ai tenté de faire un petit truc sur les rapports entre Derrida et l'architecture. Et en particulier, ces rapports très intéressants avec Eisenman, si vous voulez. Plein de malentendus, mais aussi plein de choses intéressantes. Et puis, Derrida est quand même quelqu'un d'intéressant dans la mesure où il a mis la main à un projet d'architecture. Ce n'est pas très fréquent. Il y a une des folies de la Cité des sciences qui devait être produite en collaboration entre Eisenman et Tchoumi. Donc là, elle n'a pas été réalisée, cette folie, mais on a encore des traces. Il y a un livre, il y a des projets. Et en particulier, là, Derrida fait rentrer en relation cette folie avec le concept platonicien de Cora. Donc pour conclure, je voudrais évoquer un grand texte. Si je parle de la destruction, je ne peux pas ne pas l'évoquer. C'est un texte de Walter Benjamin, qui n'est peut-être pas un des plus lus de Walter Benjamin, mais que je trouve magnifique, qui s'appelle « Le caractère destructeur ». Mais là, on revient peut-être un peu, justement, à ce qu'est la destruction moderne, si vous voulez. Benjamin était le contemporain des modernes. Il était proche de Dada, il était proche de Breton, des surréalistes. Et il s'intéressait à Le Corbusier. Il y a une phrase magnifique de lui qu'on trouve dans le livre des passages où il dit que si on pouvait comprendre ensemble Breton et Le Corbusier, on pourrait saisir la France dans son cœur. Saisir en même temps, on pourrait dire, le constructionnisme ou constructivisme de Le Corbusier et le surréalisme. C'est un rapprochement intéressant. Si on parle de la destruction, on pourrait parler aussi de ce que dit Guy Debord dans les commentaires sur la société du spectacle, à savoir que Dada a voulu supprimer l'art, mais détruire l'art, mais sans le réaliser, que le surréalisme a voulu réaliser l'art, mais sans le détruire, et que seul le situationnisme a détruit l'art en le réalisant. Si vous voulez, voilà. Donc voilà, ce texte magnifique de Walter Benjamin est le portrait du moderne, si vous voulez, des modernes qu'il connaissait et qu'il admirait. En particulier, un Allemand très curieux qui s'appelle Schebart, qui a écrit un livre qui s'appelle « L'architecture de verre » au début du XXe siècle, qui consiste donc en un projet utopiste qui consiste à dire que si tout était en verre, la vie changerait radicalement. Que si tout nos... Là, on est un peu dans le truc de... Pas ici, bien sûr, mais dehors, le truc de verre. Mais là, il s'agirait même d'être chez soi dans du verre, si vous voulez, dans la chambre à coucher. Il y a quelques maisons de verre qui existent ici ou là. Mais Schebart voulait que tout soit en verre, un peu coloré. Il pensait que la vie changerait radicalement. Et donc, Benjamin disait, voilà un barbare très civilisé. Donc, Benjamin avait l'idée d'une barbarie positive. Si vous voulez. C'est ça le modernisme. Si vous voulez. En finir avec le sinistre 19e siècle, que Benjamin détestait autant que... Tout en voulant sauver beaucoup de choses, bien sûr, mais autant que Le Corbusier. Et en particulier, cette manière d'habiter... dans la citation que je vais vous donner, qui est évoquée, à savoir habiter, c'est être dans un étui, un peu comme un compas ou des ciseaux, si vous voulez, et s'entourer de traces de notre vie, etc. Le verre est le matériau qui ne laisse pas de traces. On ne peut pas accrocher sur du verre des traces. Et, donc le moderne, c'est par exemple Schebart, mais qui n'est pas très connu, mais c'est Le Corbusier. Hein. C'est bien sûr Le Corbusier. C'est... un mode d'habitation nouveau qui détruit le mode ancien du 19e siècle et qui fait que quelque chose a changé, a disparu et qu'on rentre. Et donc là, on est dans ce que j'ai appelé la destruction créatrice, si vous voulez, hein, qui était la grande utopie moderne. Donc j'aime beaucoup ce texte de Benjamin qui me fait penser à beaucoup de gens que j'ai connus. D'ailleurs, ça commence comme ça. Je tends un regard, donc ça s'appelle le caractère destructeur ou le caractère destructif. Ça se trouve dans les œuvres complètes en folio et ça se trouve aussi dans un recueil qui s'appelle Images de pensée, qui est traduit par Jean-François Poirier.
Jetant un regard rétrospectif, dont je terminerai sur cette citation que je ne commenterai même pas. Je vais essayer de la lire lentement. Jetant un regard rétrospectif sur sa vie, c'est un peu ce que j'ai fait au début de du propos, il se pourrait qu'un homme se rende compte que presque toutes les relations approfondies qu'il a connues avaient trait à des personnes dont tout le monde admettait le caractère destructeur. Donc, définition du caractère destructeur. Là, on est un peu dans l'ordre de la psychologie, le caractère, ou de l'éthique en tout cas, ethos, le caractère destructeur. Donc à cette époque, début du XXe siècle, 20-30, Le Corbusier, là, il ne parle pas de ce qu'il menace directement, à savoir la destruction national-socialiste, hein, il parle des artistes modernes, hein, chez Barthes, Le Corbusier, c'est bon. Mais bon, ça concerne peut-être aussi le caractère au sens psychologique banal, si vous voulez. En tout cas, ça ne concerne pas Hitler, ça c'est certainement, sûrement pas. Puisque vous allez voir que ce texte est très intéressant parce que Benjamin ne condamne pas le caractère destructeur, mais il n'y adhère pas non plus, si vous voulez. Donc on n'est pas dans l'ordre d'une dialectique. Destruction de la destruction, ça ne signifie pas. Bon, c'est très ambigu le texte de Benjamin, si vous voulez, parce qu'en un sens, il trouve ça admirable, et en un sens, vous allez voir à un moment donné, il dit les destructeurs sont comme des traditionalistes. Ce que Benjamin non plus n'apprécie pas trop, parce que pour lui, la tradition, c'est la victoire des dominants, les vainqueurs de l'histoire, c'est la culture au sens lourd du terme. Benjamin n'est ni un destructeur, bien évidemment, au contraire, il est plutôt pour le sauvetage de certaines choses, et il n'est sûrement pas non plus un traditionnaliste, hein, même s'il passe sa vie à lire des textes anciens. Bon, il a plutôt les yeux tournés vers l'avenir. Alors, si on parle de la destruction et si on parle de Benjamin, il faut bien sûr évoquer deux minutes l'ange de l'histoire dans les thèses sur l'histoire qui, comme vous le savez, d'après un tableau, une gravure, un tableau de Paul Klee, a les ailes, vous avez cette image en tête, un vent lui vient du paradis, si vous voulez, qu'il entraîne en arrière, il est tourné vers le passé, si vous voulez, mais il est quand même poussé par le vent du paradis en arrière. Et en face de lui, il y a un champ de décombres. Donc il faut évoquer quand même cette figure. Si on parle de Benjamin et de la destruction. Et donc voilà, je vous lis simplement ce texte que je trouve magnifique. Le caractère destructeur ne connaît qu'un seul mot d'ordre, faire de la place, et qu'une seule activité, déblayer. Son besoin d'air frais et d'espace libre est plus fort que toute haine. Le caractère destructeur est jeune et enjoué. Détruire, en effet, nous rajeunit parce que nous effaçons par là les traces de notre âge. Le monde se trouve simplifié dès lors qu'on le considère comme digne de destruction. Le caractère destructeur est l'ennemi de l'homme en étui. Ce dernier cherche le confort dont la coquille est la quintessence. L'intérieur de la coquille est la trace tapissée de velours qu'il a imprimée sur le monde. Le caractère destructeur efface même les traces de la destruction. Le caractère destructeur rejoint le front des traditionalistes. Certains transmettent les choses en les rendant intangibles et en les conservant. D'autres transmettent les situations en les rendant maniables et en les liquidant. Ce sont ces derniers que l'on appelle les destructeurs. Je termine par un dernier passage de cet article. Aux yeux du caractère destructeur, rien n'est durable. C'est pour cette raison qu'il voit partout des chemins. Là où d'autres butent sur des murs ou des montagnes, il voit encore un chemin. Mais comme il en voit partout, il lui faut partout les déblayer. Pas toujours par la force brutale, parfois par une force plus noble. Voyant partout des chemins, il est lui-même toujours à la croisée des chemins. Il démolit, non pour l'amour des décombres, mais pour l'amour des chemins qui les traversent. Voilà, donc je vous recommande, au moins je vous réserve à une chose, c'est de lire dans les œuvres complètes de Benjamin ou dans Images de pensée ce texte qui, sans évoquer jamais l'architecture, ne parle que de ça finalement. Faire de la place, c'est un peu votre boulot. Voilà. Je vous remercie. Question. C'est pas obligatoire.
On a 5 minutes, hein, on n'a pas plus. Ah, seulement 5 minutes, c'est bien. Je réponds par oui, non, alors. Aucune question? Mais Paul, tu vas m'en poser une. Toi. Alors, je t'en pose une. Ouais. Tu as commencé par comparer le bâtiment détruit de Prouvé et oui. Foliasson à oui. celui de Vacchini oui. à Nancy. Mais est-ce que tu peux en dire plus? Parce que finalement, ce bâtiment, qu'est-ce qui te plaisait dans le bâtiment de Prouvé et Foliasson? C'est qu'il était provisoire, alors que celui de Vacchini est fait pour être démoli. Conçu comme étant provisoire a peut-être une certaine légèreté. D'une part, dans la mesure où on n'y est pas attaché, puisqu'après tout, on se dit « c'est fait pour disparaître ». Et donc forcément, ça a une légèreté, une absence de poids. Et au contraire, ce qui est fait pour durer quasiment éternellement, parce que, bon, bien sûr, rien n'est éternel, évidemment, mais il y a des bâtiments qui sont très difficiles à détruire. Je pense que le bâtiment de Vacchini ne doit pas être facile à détruire. Au contraire, là, peut-être ça peut introduire une sorte d'oppression. Dans celui-ci, par exemple, on sent qu'il n'y a pas tellement d'oppression, ça doit être facile à démonter. Puis on ne le souhaite pas. Alors, qu'est-ce qui me plaisait dans le bâtiment? C'est que j'étais jeune, Paul. J'étais jeune, c'était un peu expérimental. C'était la jeune école de Nancy qui venait de naître, en quelque sorte. C'était la fin des beaux-arts et le début des écoles d'architecture. Donc, sont rentrés là plein d'amis qui m'ont appelé pour travailler un peu avec eux et qui maintenant sont tous au bord de la retraite. C'est ça qui est un peu terrible, quoi, mais bon... Mais je pense qu'il faut avoir une conception heureuse de la vieillesse. Et que c'est une chose que je n'ai pas dit, je voulais le dire au début de la conférence, quand j'ai parlé des âges de la vie. Il faut contester peut-être cette idée que la vie soit faite de jeunesse, milieu de la vie, acmé, âge mûr, et puis décrépitude. Ça, c'est une idée d'Aristote. Le grand penseur des transformations en Occident, c'est Aristote, hein, de la génération et de la corruption. C'est un peu le Yiking de l'Occident. Alors je pense qu'il y a quelqu'un qui a beaucoup contesté ça, c'est Deleuze. Dans Mille Plateaux et dans d'autres textes, il dit qu'il y a une jeunesse propre à chaque âge, et qu'il faut prendre l'âge, non pas prendre de l'âge, mais qu'à chaque âge, il faut... Donc loin de moi la nostalgie et tout ça, quoi. Mais je pense quand même que c'était mieux avant, et qu'on est les premiers à avoir raison de dire que c'était mieux avant. Parce que si tu dis que c'était mieux avant, tout le monde te dit « mais on a toujours dit ça ». Moi je réponds, on est les premiers à avoir raison de le dire. Si tu prends l'exemple de Metz que tu connais, c'est une ville détruite. Et c'est une destruction imperceptible parce que les habitants ne sont pas sensibles à ça. Ville verte, ville jardin, métis, tram. Moi qui suis messin depuis bientôt 60 ans, je sais que Metz est une ville détruite. Non seulement parce qu'en 70, on a bousillé des édifices Renaissance pour faire des centres commerciaux atroces, mais aussi parce que dans la rue principale de Metz, il y avait un cinéma, trois restaurants, quatre cafés. Maintenant, il n'y a plus que des marchands de chaussures. C'est un désert. Il y a une sorte de désertification des centres-villes, ce qui va de pair avec ce que vous appelez la muséification. C'est-à-dire qu'on va garder les centres-villes un peu comme des musées, quoi. Mais il n'y a plus de vie dans les centres-villes. Donc ça serait un exemple de destruction imperceptible. C'est-à-dire que ça passe inaperçu, tout le monde s'en fout. Peut-être parce que justement, il faut être vieux pour ça, après tout. Pour s'apercevoir que quelque chose a disparu, il faut l'avoir connu, quoi. Il n'y a que toi et moi qui pouvons penser à Villers-les-Nancy, personne d'entre vous. Les Halles de Baltard non plus, personne d'entre vous ne les a vues. Enfin, je crois que je les ai vues tout petit peu quand j'étais petit comme ça. Ben, merci pour ta question. Il faut que les 5 minutes sont passées. Oui. Est-ce qu'un bâtiment peut considérer avoir un âge? Et avoir plusieurs vies, un peu comme... Bien sûr, un âge, c'est certain, et là, je ne parle pas de... Je parle pas de la succession des styles au sens de l'art architectural, histoire de l'art, si vous voulez, hein. Âge baroque, âge classique, âge moderne. Mais il y a un âge du bâtiment parce qu'il prend de l'âge et que, par exemple, au bon sens du terme, il prend de la patine, par exemple. Et pas seulement, il y a des fonctions différentes qui peuvent s'exercer dans son sein. Bien évidemment, oui. Un couvent peut se transformer en prison, une prison en restaurant, etc., etc. Oui, bien sûr. Oui. Et vous avez jamais travaillé sur ce sujet? Enfin, ça peut vous intéresser? J'y avais réfléchi un petit peu, si j'y avais réfléchi un petit peu. À propos, justement, oui, des couvents et des prisons. Oui, oui.
C'est l'ambiguïté de, par exemple, si je parle de couvent en prison, c'est l'ambiguïté de l'usage. C'est très différent de protéger les gens, couvent, c'est un asile qui est fait pour être tranquille, et prison, punir les gens pour, et les empêcher de sortir. Donc le même bâtiment peut avoir ces deux usages. C'est pourquoi Michel Foucault dit qu'il est faux de dire que l'architecture est déterminante. Ça dépend ce qu'on en fait librement. On peut librement adapter un couvent pour en faire une prison et inversement. Et finalement, pour en faire un restaurant, quoi, parce que c'est un peu ça ce qui arrive aujourd'hui. Les prisons du centre-ville, maintenant, c'est des espèces de restaurants. Les prisons atroces, comme les centres commerciaux, sont à l'extérieur de la ville. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, pour répondre à votre question, bien sûr, il y a des transformations qui prouvent que ce n'est pas l'architecture elle-même qui est réellement déterminante, qu'elle n'indique pas de manière déterministe, oui, causale, comme ça, un usage, qu'on peut librement en user. Sauf peut-être de certaines qui sont inaptes à tout usage. Par exemple, que faire dans un supermarché à part s'engueuler avec sa femme? Ou que faire dans, je ne sais pas quoi. Il y a quand même des endroits qui vous condamnent à tel ou tel usage. Et on ne peut rien faire dans un supermarché à part acheter de mauvaises pizzas et s'engueuler avec sa femme. Et donc, heureusement, il y a certains édifices, au contraire, qui s'offrent. Bien évidemment, c'est un peu une banalité de dire ça, qui s'offre à différents usages que l'architecte lui-même n'avait pas prévu. C'est ça la grandeur de l'architecture, c'est d'offrir des plages où l'existence peut se jouer, suivant les âges, puisque l'architecture survit à l'architecte et aux contemporains de sa naissance, offrir des plages où on peut jouer et rejouer différemment. Oui, ce serait peut-être ça. C'est une question assez importante pour de jeunes architectes en devenir. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un modèle à chaque fonction ? Je voudrais dire que, est-ce que dans le projet, on ne laisse pas quelque chose comme une chance à l'événement ? Ça, c'est Derrida qui n'arrête pas de répéter à des choses comme ça. Dans le projet, vous n'êtes pas forcé d'obéir tout le temps au programme. Voilà, je cherchais le mot. Le programme, c'est ça, oui. Et donc, ça donne la réversibilité. C'est ça, voilà, voilà. De tout être ou de tout bâtiment. Voilà, je crois, oui. Ben, merci. C'est moi qui vous remercie.